Bonjour à tous, les signes de Scorpion, votre tirage pour mois d'août, alors les 23 octobre jusqu'à le 22 novembre, votre tirage pour le mois d'août. Alors je donne un conseil pour le mois d'août pour vous les Scorpions. Alors j'utilise l'oracle de Bleu, l'oracle de G, l'oracle de Baleine, l'oracle de Mademoiselle de Lormont. Et l'oracle de l'amour psychique, il y a une carte de les cirques divines. Un changement pour vous, les scorpions, un changement de vie, un changement énergétique. Vous prenez le temps, le plaisir à la vie. Vous sentez l'esprit jeune, vous êtes envie à miser, à enlever. Partir les vacances, passer les bons moments. Cette mois, c'est pour vous, c'est les vacances, c'est le bonheur, c'est le changement. Prenez les plaisirs à la vie et vivre l'instant présent. Alors, conseil, l'énergie de cette mois, l'énergie de cette mois, les scorpions pour vous, les tours. Alors, vous refusez isoler. Retraité, vous êtes besoin éveiller, peut-être sortir chez vous. Si vous êtes dans le passé, vous êtes resté beaucoup enfermé chez vous. Vous êtes cette moi, vous êtes envie de profiter la vie et l'instant présent. Vous changez l'énergie, il y a un plaisir, il y a une envie prendre l'instant présent, profiter le temps, partir les vacances. Vous êtes besoin de changement. Vous restez pas cette énergie de enfermé chez vous. Vous sortez à l'extérieur, vous voyez les gens. Alors, l'oracle bleu pour vous, général. Et j'utilise après professionnel. Ça, c'est l'énergie générale pour moi. L'essence. L'essence, quelque chose de nouveau. Nouvelle énergie. Vous êtes besoin esprit. Esprit. Cette carte, ça parle l'air, changement l'air. Pour moi, ça parle l'air. Vous êtes besoin de changer l'air parce que vous êtes resté beaucoup enfermé chez vous. Les scorpions. Besoin aussi un changement. Ça sortait deux fois les changements. C'est important pour vos changements. Il y a une nouvelle opportunité. Vous tombez cette masque, vous tombez cette tristesse, vous tombez. Il y a une nouvelle essence pour vous. Vous n'êtes pas resté cette énergie. Cet mois, il y a un changement, même les pensées. Vous libérez les pensées négatives, un changement dans votre relation, un changement amoureux. Vous prenez le plaisir à la vie. Il y a un signe de feu, c'est signe de bélier, signe de lion, signe de sagittaire. Peut-être c'est quelqu'un qui porte les masques, ou soit les signes de scorpion. Votre soleil et votre lune, peut-être votre énergie qui est un signe de feu, si vous êtes une personne qui a besoin des changements, bouger, changements énergétiques et changements peut-être professionnels, vous bougez, une nouvelle essence, un projet ou un travail qui vous tombe un masque, au changement, la tristesse et vous voilez une vérité. Vous êtes dans beaucoup d'illusions, peut-être vous sortez ça, les conflits avec vous-même, besoin de sortir chez vous et peut-être prendre l'air, partir un petit peu un week-end ou dans la nature, soit à côté de l'eau. Il y a un changement dans votre relation amoureuse aussi avec une âme sœur ou quelqu'un. Vous êtes une personne qu'elle pense beaucoup la nuit. Peut-être la nuit, vous êtes beaucoup la tristesse. Besoin de sortir chez vous. Vous ne restez pas à la maison. Besoin de voir les gens. Et votre relation amoureuse avec quelqu'un qui peut-être il habite l'autre ville ou soit quelqu'un.
que vous allez voir une personne qui habite loin de vous, une l'âme sœur ou quelqu'un qui vous êtes un lien très fort et un changement. Soit vos changements déménager à l'autre ville avec une personne qui vous êtes amoureuse, ou soit vous êtes dans le couple, vous voulez changer la ville ou déménager. Ça, c'est général. Prenez qu'est-ce qu'elle parle pour vous. Je passe à l'autre chose. Professionnel que je voulais voir. Professionnel, un homme, c'est vous, si vous êtes un homme, soit votre mari ou votre compagne. Professionnel, quelqu'un, peut-être il travaille dans le droit, ou soit il a besoin d'équilibre professionnel. Il y a la fin quelque chose. La fin, un contrat, la fin, un travail, la fin, un procès, la fin, un problème à justice avec le travail. Si vous êtes en difficulté, il y a une rupture de contrat, un changement de travail, une licence. Les secondes, c'est un nouvel travail, un nouvel projet, c'est quelque chose de nouveau. Vous commencez à la fin quelque chose qui c'est comme une carte de mort, changement. À cause d'un procès ou un problème. C'est quelque chose qui était tardé pour vous, lentement. C'est les choses pas rapides qui ont changé pour vous. Vous attendez le changement, peut-être côté économique, côté l'argent, côté matériel, il y a quelque chose. Pour moi, il y a un procès, vous gagnez un procès, ou soit la fin, un contrat. Et pour commencer un nouvel travail, l'essence à un nouvel travail, aussi quelque chose qui était tardé pour voir un procès avec quelqu'un, pour un travail ou un projet. Un projet que vous êtes peut-être perdu, ça, cette carte, ça parle quelqu'un qui a profité de vous. Vous êtes perdu un projet, vous êtes perdu le temps. Vous êtes perdu un travail, vous êtes perdu aussi l'argent, ou soit un vol, ou soit une personne qui ne veut pas payer votre salaire, ou soit un procès avec le travail. Et cette procès, elle est longue. Vous attendez longtemps pour un procès. Et il y a quelque chose qui vous prenez, nouvel départ. Soit vous partez à l'étranger, soit vous changez la ville et vous cherchez un nouvel travail. Déplacement, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Après, vous tendez un projet qui est réalisé, un travail nouveau, un nouvel départ, changement les directions, partir peut-être loin, changement les villes, changement les pays. C'est possible, même beaucoup de gens qui partent à l'étranger aussi. Qu'elle tente beaucoup le temps pour un procès, pour gagner un procès, qui sont beaucoup les problèmes avec ce procès. Et pour ça, vous sortez cette énergie chez vous. Je pense que vous êtes une personne qui a besoin peut-être de vacances, besoin profiter la vie, besoin de changement. Les changements, c'est peut-être les villes, les changements professionnels, les changements d'aménagement, les changements aller à l'autre ville ou à l'autre pays, c'est possible. Alors, sentimental, les célibataires, les gens qui sont quelqu'un d'invitation à une sortie. Avec quelqu'un, une personne qui vous êtes amoureuse et passer un bon moment avec une personne. Si vous êtes avec quelqu'un, il y a une nouvelle, quelqu'un qui donne une nouvelle, quelque chose que vous n'attendez pas, c'est une surprise, quelqu'un qui a une invitation pour une sortie. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui l'invite pour sortir danser, pour sortir amuser, pour passer un bon moment avec cette personne. Les gens qui sont séparés ou éloignés. Alors, il y a une perte, la perte de confiance à cette personne. Que vous êtes peut-être beaucoup les doutes pour son fidélité, mais c'est quelqu'un, les chiens, c'est la fidélité, c'est quelqu'un très fidèle, ou soit, si vous êtes beaucoup les doutes pour une relation, parce que cette personne peut-être a un problème. Avec l'alcool, le problème, quelque chose dans sa vie qui n'est pas
bien et il y a beaucoup de doutes pour son fidélité. C'est peut-être quelqu'un, il est toujours occupé, toujours sortir avec les amis, qu'elle passe toujours le temps avec les amis, ou soit une personne qu'elle est toujours allée voir les amis, ou boire toujours les bistrots, il est toujours dans cette énergie, quelqu'un a un problème, de l'alcool, le problème, l'autre chose, et que vous êtes parfois, vous doutez la fidélité, cette personne, ce n'est pas le problème de fidélité, c'est le problème chez cette personne, c'est quelqu'un qui a toujours soit les problèmes de l'alcool, soit les problèmes de jouer. Et soit un problème qu'il a toujours avec les amis ou toujours dans le bistrot. Et vous pensez beaucoup à la fidélité. C'est quelqu'un fidèle, c'est pas une personne qu'il trompe, mais c'est quelqu'un qu'il perd beaucoup d'argent pour lui jouer, les casinos, ou soit quelqu'un qu'il boit beaucoup, ou le problème de l'alcool. C'est possible. Et si quelqu'un a un ami fidèle seulement, peut-être il y a le problème, c'est l'alcool, c'est les personnes qui jouent avec l'argent, qui perdent beaucoup d'argent. Alors, les couples, il y a beaucoup de l'amour. Hein. Les couples, il y a une déclaration amoureuse dans le couple. Soit une personne, si vous êtes dans le couple avec quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer son sentiment à vous en face, peut-être quelqu'un qu'elle voit une lettre par l'amour, écrit les mots, écrit un bon message, je t'aime. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer peut-être le sentiment pour vous, alors il voit toujours un petit mot, un message, un email, les petits mots, je t'aime, tu me manques. Et là, il a quelqu'un comme ça, peut-être c'est quelqu'un qui déclare son sentiment pour vous dans le couple, et c'est quelqu'un qui a besoin d'équilibrer la relation et la stabilité dans sa vie, pour la santé, pour le côté professionnel et matériel, qu'il a besoin aussi d'une stabilité dans le couple. Il y a une personne, les célibataires, il y a une invitation amoureuse. Alors, il y a quelqu'un qui vous observe, un amant, une personne qui vous observe, qu'elle voit un message, qu'elle voit une invitation, qu'elle demande une sortie. Soit cette personne qui vous connaît et que vous ne pensez pas, cette personne qu'elle invite, il y a quelqu'un qui vous observe, quelqu'un est là. Il a vraiment une garde bizarre. Vous voyez cette femme qu'il garde bizarre. C'est quelqu'un qui l'a tiré vers vous, mais peut-être il garde un secret pour vous. Il y a un secret qui vous voile. Une personne, il est amoureuse de vous. Quelqu'un qu'elle demande une invitation à un rendez-vous avec vous. Vous voyez cette carte. Alors, les gens qui pensent la fidélité. Il y a beaucoup de souvenirs, peut-être il y a quelque chose dans le passé qui vous n'êtes pas confiance à une relation de passé ou avec une personne qui vous êtes marié dans le passé, que vous êtes déjà dans cette énergie de manque de confiance à l'amour, manque de confiance surtout à la relation, que vous êtes peur de tomber le même chemin et vous êtes peut-être rencontré quelqu'un nouveau, quelqu'un fidèle, mais vous êtes, si vous doutez beaucoup dans votre passé, c'était quelque chose à cause de la fidélité ou soit quelqu'un qu'il était problème de l'alcool, problème de jouer, qu'il perd beaucoup d'argent pour les jouer, pour les casinos. C'est quelqu'un qui a un problème dans sa vie, ou soit par la fidélité, vous êtes un souvenir de cette personne et que vous n'êtes arrivé pas confiance à la relation. Alors, les personnes dans le couple. Alors, dans le couple, il y a beaucoup d'attirance, hein, beaucoup d'amour, beaucoup les choses, beaucoup la charme. Je ne voulais pas monter ça, c'est un petit peu
pas geler, voir tout le monde, qu'est-ce qu'il y a. Mais il y a beaucoup l'attirance chaleureuse et vous passez beaucoup le temps, beaucoup de l'amour partagé avec cette personne, les scorpions. Et je vois quelqu'un, il a beaucoup aussi la sexualité très forte dans le couple. Alors voilà, c'est fini les tirages pour les scorpions pour cette mois. Merci beaucoup. Si vous voulez mes vidéos, abonnez-vous, likez, merci beaucoup, à bientôt mes amis. Voilà.